Pour mieux comprendre la réalité haïtienne et ses effets sur la santé, la culture, l'éducation et la famille, qui est une instance fondamentale particulièrement importante à l'évolution sociale. Impact pour se rendre compte de l'intensité maximale de nos mœurs. Impact pour aborder les sujets importants négligés. Pour une prise de conscience visant à réduire les nuisances sur notre société. Impact pour avoir la chance de voir les choses différemment, les critiquer et apporter des solutions certaines. Impact sur la Storm TV, branchez-vous toujours. Impact pour une société haïtienne consciente de ses valeurs. Bonsoir chers amis téléspectateurs, c'est encore un plaisir d'être avec vous cet après-midi pour vous présenter votre émission de prédilection Impact. Aujourd'hui, nous avons comme thème un sujet, j'espère, qui va intéresser tout le monde. C'est comment s'orienter vers le développement malgré le sous-développement social. Nous allons aborder quelques points à travers ce sujet. Et ensuite, nous allons parler de quelques critères à prendre ou bien à considérer pour vous orienter, pour mieux vous orienter vers le développement. Observons notre toute première pause et nous revenons tout de suite après pour continuer le débat. À tout de suite. Effectuons un regard dans le passé en se rendant compte de la disparité des valeurs morales et sociales haïtiennes depuis plusieurs années suite à l'observation de l'effritement des valeurs de la démarche démographique et des causes boiteuses des rivalités de la société haïtienne. Cela suscite forcément un besoin de communiquer et ça, c'est de l'impact. Impact, une émission socio-éducative. Impact pour éclairer la conscience sociale par des multiples constats, des causes et des faits socio-économiques afin d'interagir à l'encontre des mauvaises actions, sources de défaillance des valeurs sociales. Impact avec des rubriques différentes telles à la découverte. À qui ressemble-vous? Impact pour une société haïtienne consciente de ses valeurs. L'émission Impact, à travers sa rubrique « À qui ressemble-vous ?», vous présente Sozi Lakay. Sozi Lakay, un concours pour mettre en valeur des artistes de la musique haïtienne dont le but est l'orientation culturelle vers la diversité, l'extension des répertoires et la mise en place de la création musicale Sozi Lakay pour aider les jeunes à mettre en exergue leurs talents. Conditions d'éligibilité. N'ayant jamais participé à des séances de photos ou captations audiovisuelles d'images érotiques et pornographiques. Être un jeune cultivé et talentueux. Être de nationalité haïtienne, âgé de 16 à 24 ans. Être respectueux et ouvert à l'égard du public, etc. Critères de sélection, l'originalité, la faisabilité, l'audace. Soumettez votre candidature à la Storm TV, Delma 19, rue Patrice Lumumba, numéro 139. Date limite, 15 septembre 2017. Contact 32 33 33 12 47 10 40 15. Sozi Lakay, pour mettre en valeur les artistes haïtiens. Impact pour mieux comprendre la réalité haïtienne et ses effets sur la santé, la culture, l'éducation et la famille, qui est une instance fondamentale particulièrement importante à l'évolution sociale. Impact pour se rendre compte de l'intensité maximale de nos mœurs. Impact pour aborder les sujets importants négligés. Pour une prise de conscience visant à réduire les nuisances sur notre société. Impact pour avoir la chance de voir les choses différemment, les critiquer et apporter des solutions certaines. Impact sur la Storm TV, branchez-vous toujours. Impact pour une société haïtienne consciente de ses valeurs. Bien, chers amis, comme je vous avais dit, notre thème pour aujourd'hui, c'est comment s'orienter vers le développement malgré le sous-développement social. Aujourd'hui, nous n'avons pas de débat, mais je vais vous partager quand même certains points, alors mes idées, mes expériences sur ce concept, s'orienter vers le développement. D'abord, parler de développement, il faut quand même
donner une définition ou bien faire allure à une définition du mot développement. Et parler de développement d'abord revient à se référer des causes de la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'on a pu introduire avec ce mot le développement ou bien le système social et le développement. Donc, quand on voit développement, on voit également des problèmes de flux, on voit également l'économie, on voit aussi la démographie. Donc, on ne peut pas parler de développement sans voir ces concepts. Je vais essayer, dans peu de mots, de vous donner une définition du mot développement. Le développement reste cependant complexe et c'est un mot quand même qui a double jeu ou bien qui a double fonction dans le système social. D'abord, chers amis, parlons de développement. C'est quoi le développement? C'est quoi le sous-développement? Parce qu'on ne peut pas parler de développement sans voir le contraire. Le développement, c'est l'état d'un pays ou d'un individu qui présente un équilibre entre la croissance de production et l'amélioration de la qualité de vie. Donc, chers amis, le nom est développement. Nous n'avons pas parlé de développement, ça n'a pas le concept ça. Équilibre, croissance, production. Donc, un pays tant qu'au Haïti, côté que toute bagarre est difficile, la cherté de la vie, le coût, comme tu as dit, et cette histoire de flux économique, cette histoire d'importation et d'exportation qui est un petit peu pas équilibré. Donc, tout un tas de choses qui sont capables de mettre un monde en retard par rapport avec rêve. Donc, face avec un tel climat, il y a quand même un moyen de voir grand, il y a quand même un moyen d'espérer au développement parce qu'on ne peut pas quand même parler de situation financière, on ne peut pas seulement parler de système qui n'est pas un petit peu trop abordable ou bien trop intéressant à l'investissement, mais il faut voir tout un tas de choses qui encombrent ou bien qui apportent préjudice à ce concept de développement. D'abord, comme je vous avais dit, on va parler de développement et également de sous-développement. Le sous-développement, lui, c'est comme une situation dans laquelle un pays ou un individu se trouve dans l'incapacité de satisfaire ses besoins fondamentaux, ses besoins communs, sans distinction de race ou de civilisation. Donc, on pensait que, depuis ma parole de développement, par rapport au sous-développement, parce que gagner un côté, ou a besoin de gagner étouffement, et gagner un côté, ou a besoin de gagner élargissement, ou bien ou a besoin d'intensification. Donc, chers amis, si tant que nous vivons en Haïti, nous gardons de situation, nous gardons de inflation, nous gardons de ressources qui diminuent. Quand même, nous aspirons à vivre et nous ne pouvons pas baisser les bras pour nous dire compte tenu de gens, société en branle, nous suspendons vivre, nous suspendons exister. Il faut quand même trouver un moyen de se développer et malgré tout d'interagir en fonction de cette société qui va de mal en pire. D'abord, il faut voir les différents secteurs. Donc, pour me parler de développement, il y a des secteurs pour me mettre alors, en phase sur eux. Je ne vais pas parler de développement, ça me parle de trois noyaux. Ça, il y a la famille, il y a le social comme l'éducation, le système éducatif, et il y a également l'église, que je suis capable de toujours rentrer dans le système éducatif, là, et à la fin, les médias. OK, donc c'est ensemble ou bien on a dit c'est principal enjeu ça ou bien principal acteur ça que nous capable rentrer dans question de développement parce que en dépit de tout nous pas arrêter les bras croisés, nous pas qu'à dire nous pas l'école encore, nous pas qu'à dire nous pas étudier encore face à un climat qui est un petit peu précaire sur le plan financier. C'est ça que fait moi venir avec émission pour partager avec nos idées pas moins en façon pour nous capable retirer vision nous sur cette histoire de déportation ou bien de quitter pays pour nous aller ailleurs sans une bonne préparation et quelquefois le nous sortir sans préparation comme ça nous tomber dans déportation, nous tomber dans un paquet de dégâts que nous pas espérer. Donc il faut quand même nous essayer arranger nous pour nous recommander capable vivre dans un climat pareil. On te dit nous gain trois secteurs pour nous mettre en face sur eux, c'est la famille,
c'est le système éducatif ou bien l'école et ensuite les médias. D'abord, qui rôle secteur ça yo? Premièrement, famille. Ouais, toute base que un monde doit joindre, quel que soit le type de monde que il y a, il pas sorti l'autre côté que non noyau ça que la famille et c'est plus gros noyau social qui existe. D'abord et famille là, il gagne un double jeu, un double rôle. Et ce rôle par la pensée qui primordial par rapport avec tout rôle l'autre secteur. La famille gagne rôle d'éduquer et puis il gagne pour faire conservation de culture ou bien d'adie pour faire équilibre entre culture et ça me dire les mœurs parce que tout ça englobé patrimoine un monde patrimoine un système de développement un système social. La famille gagne également pour le transmettre, non seulement gagne pour l'éduquer, mais gagne pour le transmettre également des valeurs, des normes, des principes. Que puis devant société elle même tout est capable de mettre des balises, est capable de fixer des points pour dire voilà où l'on doit commencer et où l'on doit se fixer, où l'on doit s'arrêter. Même gens tout famille là, dépendamment de l'objectif, j'aimerais me dire nous, chaque famille gagne review, chaque famille gagne objectif yo. Donc dépendamment de famille là, il est capable dit lui-même compte tenu de société ça mais qui échelle que t'a aimé gravir. Maintenant qui phase il t'a aimé lui-même les statuts. OK? Ensuite, nous va parler de rôle secteur éducatif là. Nous ouais, secteur éducatif là, il gagne comme rôle pour lui transmettre des valeurs morales, fondamentales et culturelles, il gagne également pour le former et instruire des citoyens. OK? Parce que quand même pour me parler de développement, c'est me pas mettre en face sur éducation chers amis, m'a travaille en vain bien que nous ouais de nos jours, nous gagne en pile responsable dans société hein qui pas bail éducation en première place, qui pas bail éducation priorité et dans un pays côté que éducation pas en priorité, de quoi faire face avec sous-développement d'année en année et ou effondrer dans un système côté que ou pas un sous-développement qui tellement fort ou pas gagner aucune valeur qu'a prêter encore parce que tout monde yo tellement bralé quelquefois ça cap venir tout y a venir avec l'autre culture y a porté baou qui pas du tout dans système conservateur pas étant haïtien étant que peuple noir. Bref, ensuite on va parler de rôle média eux-mêmes. Média yo gain pour rôle d'abord pour yo informer, pour yo divertir et également pour yo éduquer des notions de civisme parce que média yo fait un travail que peut-être famille n'a pas de gain en faire et on fait un travail de concert avec l'État parce que des messages que l'État gagne pour faire passer soit des sports ou bien soit des conseils, il pas gagne pour faire autrement que à travers média à travers système communication. Donc média yo gagne trois fonctions. D'abord, yo là pour informer, yo là pour divertir et yo là également pour éduquer. Bien. Non pas écarter secteur religion tout parce que en dans religion, nous jeune en pile l'autre travail parce que l'église lui-même li transformer. Nous jeune en pile travail que société peut-être pas capable faire que l'église fait pour nous. Quel que soit type de religion quand même, li apporter un support avec société et li apporter un support avec développement humain qui plus tard prend un développement social. Parce que l'Église, ou avec conception, ou bien dogme, ou bien doctrine, mon nan, secteur, nan, système, nan, l'Église fait un travail qui est plus ou moins noble par rapport avec groupe que li gen en face de yo, société a li mieux avancé, li mieux progressé et li équilibré plus ou moins parce que même gen des bagay que le pateka jeune na kali ou bien peut-être société en patrophile ou bien l'école tout est échappé, mais l'église lui-même li aide le vin redevenir un autre humain, redevenir un autre personnalité, redevenir un autre individu. Donc l'église c'est comme si c'est lui-même qui coiffe tous les trois secteurs ça que tu as dit famille, médias et puis instruction que nous relais système scolaire ou bien système éducatif. Bien.
Maintenant, chers amis, nous allons parler de questions de sous-développement. C'est-à-dire, bagages ou bien ensemble de bagages qui ramènent un monde dans sous-développement ou bien diminuer un monde ou bien faire un monde suspendre penser bien, suspendre penser positif face à une situation économique ou bien une situation financière qui est un petit peu à dégrader. Nous dit gagner au total 6 points que un monde doit combattre sous des pour sous développement. Sous pas combattre ou bien sous pas mettre en prise sous 6 points ça yo ou capable un monde qui pas jamais avancer vers l'avant. C'est ça que peine après. Dans famille capable gagner 2 3 petites et chaque petite ça yo gagne rêve pa yo, chaque petite ça yo gagne ambition pa yo et chaque petite ça yo tout yo gagne objectif pa yo dans la vie. Et quelquefois après yo chaque tout yo gagne noyau, yo gagne sphère de développement yo, yo gagne système de progrès pa yo par rapport avec charisme yo, par rapport avec audace surtout face avec des situations un petit peu précaire et ambigu. D'abord, il y a 6 points pour nous éviter. Le non-respect d'autrui. Depuis un monde, ou pas chercher, découvrir, ben ça va carré, corriger ou sans les prendre route vers le sous-développement. Parce que de vous pas apprendre à respecter l'autre monde. D'abord, ou pas qu'à respecter tête. Parce que y a un monde qui pas respecter tête, qui pas connaît respecter l'autre monde. De même que si un monde pas connaît ça le vaut, il pas apprendre valoriser l'autre monde. Donc nous pas fâcher avec si me dit ça parce que c'est clair, la psychologie le dit. Donc pas fait tort à personne si me dit ça. Il y a un monde qui pas connaît valeur tête li, qui pas respecter tête li, il pas jamais respecter l'autre monde. Donc son point que nous statuons nous sur ça. D'autre en plus, gagner ça relé absence d'éthique. Nous en pile cas comme ça dans société nous aujourd'hui hein. Côté que mon yo tellement perdu notion ça de faire un bagage qui bien ou bien marcher selon les principes, marcher droit, nous tellement perdu nos sens ça yo, yo vienne quitter bagage que l'autre jour ou bien autrefois que nous t'apprend pour des bagages qui l'aide qui sale, yo vienne prendre maintenant pour monnaie courante, pour une pièce qui tout à fait normale et placable. Donc yo fait n'importe quoi, yo dit n'importe quoi à n'importe quel moment. Donc il faut quand même qu'il y ait le respect d'autrui. Depuis pas gagner respect d'autrui, gagner non respect d'autrui ou effondrer dans son développement. Deuxième point, absence d'éthique, comme on dit nous, si on monde pas respecté, par exemple, mon on connaît l'absence dans la rue, hein, gien bagaille pour manger dans la rue, gien bagaille pour pas manger dans la rue. Yon monde qui a sorti, c'est là qu'il a sorti, ou pas dit pour camper dans la rue pour faire pipi, il y a quand même un endroit pour faire ça. Donc, on ka rentrer dans l'église, on ka rentrer dans le business bien que en Haïti, bon, comme mairie ou moi, yo pas gagner ça comme priorité. Le monde a fait business dans tout pays sur la terre sauf Haïti, business yo doit gagner yon urinoir, yo doit gagner yon espace pour moun faire besoin yo. Et ça li capable ouvert à tout le monde. Moun nan doit passer, c'est pas rentrer que la rentrer dans business sans pour venir acheter, mais ou ka juste rendre service ou prêter yon espace pour font besoin physiologique qui tout à fait normal que moun pa gen doit faire dans la rue. Donc Haïti c'est tellement permis, moun nan font pièce caibol la rue comme yon espace pour louer pour business. Il va même mettre ton urinoir voie pour ta mettre ton toilette là-dedans. Donc chers amis, ça est très important. Et point ça yo, depuis que n'a vive dans une société qui pas gagné un système ça yo en place, donc nous met dit n'a pas effondré vers le sous-développement. On nous observer en deuxième pause et n'a tourner tout de suite après pour nous parler de reste point yo que nous devons mettre en face yo sans quoi pour ne pas effondrer dans le sous-développement. Nous revenons tout de suite après. À tout à l'heure. Effectuons un regard dans le passé, en se rendant compte de la disparité des valeurs morales et sociales haïtiennes. Depuis plusieurs années, suite à l'observation de l'effritement des valeurs de la démarche démographique et des causes boiteuses des rivalités de la société haïtienne, cela suscite forcément un besoin de communiquer. Et ça, c'est de l'impact. Impact, une émission socio-éducative. Impact pour éclairer la conscience sociale par des multiples constats, des causes et des faits socio-économiques afin d'interagir à l'encontre des mauvaises actions, sources de défaillance des valeurs sociales. Impact avec des rubriques différentes telles à la découverte. À qui ressemble-vous? Impact pour une société haïtienne consciente de ses valeurs.
L'émission Impact, à travers sa rubrique « À qui ressemble-vous ?», vous présente Sozi Lakay. Sozi Lakay, un concours pour mettre en valeur des artistes de la musique haïtienne dont le but est l'orientation culturelle vers la diversité, l'extension des répertoires et la mise en place de la création musicale Sozi Lakay pour aider les jeunes à mettre en exergue leurs talents. Conditions d'éligibilité. N'ayant jamais participé à des séances de photos ou captations audiovisuelles d'images érotiques et pornographiques. Être un jeune cultivé et talentueux. Être de nationalité haïtienne, âgé de 16 à 24 ans. Être respectueux et ouvert à l'égard du public, etc. Critères de sélection, l'originalité, la faisabilité, l'audace. Soumettez votre candidature à la Storm TV, Delma 19, rue Patrice Lumumba, numéro 139. Date limite, 15 septembre 2017. Contact 32 33 33 12 47 10 40 15. Sozi Lakay, pour mettre en valeur les artistes haïtiens. Impact pour mieux comprendre la réalité haïtienne et ses effets sur la santé, la culture, l'éducation et la famille qui est une instance fondamentale particulièrement importante à l'évolution sociale. Impact pour se rendre compte de l'intensité maximale de nos mœurs. Impact pour aborder les sujets importants négligés. Pour une prise de conscience visant à réduire les nuisances sur notre société. Impact pour avoir la chance de voir les choses différemment, les critiquer et apporter des solutions certaines. Impact sur la Storm TV, branchez-vous toujours. Impact pour une société haïtienne consciente de ses valeurs. Bien, chers amis, nous sommes de retour. Maintenant, comme je vous avais dit, nous allons continuer à parler des points à mettre en face pour ne pas tomber dans le sous-développement, mais plutôt corriger le sous-développement pour aller vers le développement malgré un système social-économique un petit peu précaire. Ou bien, si nous capables de dire, il y a un enjeu économique qui est capable de mettre en hauteur soit rêve nous ou bien vision nous pour l'avenir. Nous avons parlé de deux premiers points qui sont estime de soi, le non-respect d'autrui. Et deuxièmement, nous avons parlé de éthique. Donc, le ne pas mettre en face sur éthique et que nous négligeons le système ça. Quand que mon absorbe dans la rue, il dit n'importe quoi face à n'importe monde, il fait n'importe geste dans la rue, mon habillé, bien vesti, il prend le travail, et puis le campé dans la rue, il campé dans un petit coin, et puis il fait besoin. Donc, ouais, fil en tout, il y a une machine là où il y a un pipi carrément passé dans une machine, il baisse, il fait li, sans qu'il n'y ait pas d'égard non seulement pour tête li, mais pour l'autre monde tout, Cap Gabel. Il n'y a pas d'égard tout pour la société. Bon, on continue, il y a peut-être qu'on a essayé de partager, mais nous n'avons pas corriger nous-mêmes seulement. C'est ça qui fait nous choisissons de faire des types d'émissions pareilles qui sont capables d'aider la société, aider les gens à prendre conscience pour nous venir. Quelques années, comment être capable d'améliorer la situation haïtienne parce que nous vraiment arrivés dans le stade, c'est nous pas arrivés, nous, mon cher. Pays à nous mettre dit, son terre vide la brité parce que tout le monde a viré de nous, il a quitté Tite Papa de Saline. Nous avons parlé de deux points, nous avons continué à parler de corruption et gaspillage. Donc tout ça, c'est des signes qui montrent un pays a développé la qualité des charismes ou bien des pièges de sous-développement. La corruption et le gaspillage, donc même la caille non tout. Leur famille, li pa apprendre petite li. Ou bien mari et madame nan li pa apprendre gagner une bonne gestion de économie, de revenus, de ressources li, ça a mené tout dans des situations financières, des situations économiques qui très critiques parce que le moins gagner un cob qui rentre dans même par exemple m'a travail moins touché chaque mois. Moi gagne 10 000 $, moi gagne 20 000 $. Donc m'pa pral wè numéro kòb la, m'pa pral wè chiffre kòb la, mais m'pral wè priorité que m'gagne yo. Donc moi dwe arranger avec 10 000 $ nan avec 20 000 $ nan, 20 000 $ que m'gagne pour me répondre avec exigence, avec besoin yo, avec ça m'da dit que moi gagne ki pi urgent yo. Et faire un planning qui plus ou moins capable aider dans dépenses moi yo. Troisièmement, quatrièmement, c'est la corruption et le gaspillage. Et cinquièmement, le manque de solidarité. Donc, l'un a vivre dans une équipe, par exemple, de famille également.
maman travaille, papa travaille, et puis chaque monde ça yo, yo gagne un petit l'argent par. Donc il y a mon argent, il y a ton argent. Donc tu dépenses comme tu veux. Moi je fais ce que je veux avec mon argent. Et les enfants, qui les sera entretenir? Gen famille tout, ouais, fille qui kembe économie, mari a kembe économie, ou bien c'est mari qui est responsable pour l'entretenir foyer a. Et puis madame dans lui-même avec son salaire, il était il a seulement pour le dépenser ou bien pour le mettre la banque sans que le pas soucier. Là, il n'est pas soucieux de foyer, il n'est pas soucieux de timonio, il n'est pas soucieux de mari en tout, parce que avant tout, si on travaille, on doit aider mari dans dépenses, soit dépenses journalières ou bien dans dépenses que nous avons pour exigence famille. Donc là, nous faisons appel à la solidarité. Une fois que pas gain solidarité, nous avons fait plongé, nous avons effondré nous vers le sous-développement. Donc le ça ou après gagner un monde dans Kailan ou bien dans secteur là qui plus ou moins avancé par rapport avec ça que le fait de revenu façon que il a arrangé recette li et ou après gagner l'autre tout qui toujours plein l'autre tout qui toujours dans tristesse toujours dans dette parce que li pas gagner yon solidarité entre yo pour yo dire mais comment y a chita pour dépenser et même dans système et état yo tout dans gouvernement yo tout. Donc, si pas gagner de bonnes dispositions dans la question de dépenses, vous pouvez par exemple, mairie ça, il fait 10 000 $ le mois comme recette, il développe zone parlant, et après l'autre mairie est capable de gagner 15 000 $ comme recette, pays parlant, zone parlant, ville parlant, il n'est pas progressé, il n'est pas jamais propre, il est toujours plein, il est toujours couru d'elle. Le ça nous vient gagner un déséquilibre sur le plan financier, vient manquer solidarité pour nous capable un bon développement. Ensuite, comme dernier point, nous avons le manque de transparence et de tolérance. Donc si pas gain cohésion entre deux thèmes ça yo, entre individus qui a fonctionné, qui a évolué, que l'on veuille ou non, nous pas aller nulle part que rester côté nous hier. Donc pour nous parler de développement, faut que nous mettions en phase sur 6 points ça. Éviter que nous tombions dans des situations pour ne pas respecter l'autre monde. Deuxièmement, pour ne pas faire bon usage de l'éthique. Troisièmement, pour ne pas tricher. Même notre travail, il triche. Comme si il n'y a pas qu'à faire des choses, mais l'autre si employé qui peut petit passer là, qui a fait le travail là, il fait comme si son obligation pour lui. Et puis lui-même l'a touché dans place moun ça. Il fait moun ça servir comme un robot et puis lui-même l'a touché dans place moun ça de salaire que moun ça qui a fait travail là. Ensuite, nous voyons la corruption et le gaspillage. Donc si nous pas gagner un contrôle de dépenses nous que l'on veut ou non, pas gagner progrès. Et comme dernier point, comme cinquième point, nous voyons le manque de solidarité capable de plonger nous dans son développement et en dernier, le manque de transparence et de tolérance. Maintenant, Nous parlons de ça qui est capable de bannir des signes ou bien capable de faire nous effondrer vers le sous-développement. Maintenant, nous allons parler de, comme d'a dit, critères ou bien tactiques que nous sommes capables d'utiliser en dépit de tout pour nous capables d'avancer, progresser malgré un système qui n'a pas gagné des planification pour nous, mais quand même, nous sortir nous-mêmes parmi tout le monde, il y a un monde qui est épanoui, il y a un monde qui réussit. Pour parler de question de technique, tactique, de développement, nous ne pouvons pas traverser sans nous pas parler de concept de croissance. Okay? Nous, dans l'économie, nous avons souvent utilisé ça. Donc, l'économie, toujours parler de croissance, soit croissance sur le plan intellectuel, sur le plan éducatif ou bien sur le plan économique. Donc, on pas ka yon moun ki épanoui, yon moun ki a progressé si que moi-même moi pas mettre ça relé des balises, si moi pas mettre des normes pour me dire que mais qui côté moi dois commencer pour me capable viser vers l'excellence pour me capable monter plus haut. Donc quand même faut que moi gagne une bonne planification, faut que moi dresser des balises pour me sortir dans un, pour m'aller dans deux, pour me faire une pente, pour me traverser et pour me dire bon, maintenant que moi arrivé dans tel chemin, mais qui comment m'a canalisé pour moi faire tel bagage. Par exemple,
Si moi dans société côté que société n'a pas offre trop opportunité, soit m'pa gagner accès à des prêts ou bien moi pas gagner yon gros moyen financier pour m'évoluer. Donc ça que m'ka fait comme technique, m'a cherché dans espace dans environnement pa m'nan. Qui ça qui manquait comme besoin à satisfaire, qui ça qui manquait. Maintenant, à ça qui par exemple si m'a vivre dans zone et pour m'acheter pain, c'est bien loin pour m'aller, c'est dans market, alors que dans zone là pas gain épicerie, pas gain aucune boutique. Donc c'est pour me quand même faire un long chemin pour m'acheter un pain. Moi garder moi ouais dans zone là peut-être pas gagner et carburant, pas gain station d'essence. Donc selon zone que m'a évolué, m'est capable avec le peu que me gagne lancer un investissement et avec investissement ça mettait des marges pour me capable avancer vers le progrès, pour me capable faire développement propre tête moins et plus tard qui pourra faire développement zone parce que gomba pour nous connaît si nous retenons zone qui gagnons besoin qui pas satisfait et que nous même nous venons avec besoin ça avec satisfaction pour besoin ça nous pourra aider zone là évoluer, nous pourra aider zone là développer. On nous dit une station d'essence. Donc si me retenons une zone qui a une station d'essence, zone ça pas de gain en pile, quand il pas de gain en pile monde qui était là-dedans, automatiquement que commencer gain business, là commencer gain monde qui a venir habiter, qui a venir acheter terre, qui a venir faire une série de bagarre au même tout dans zone ça. Donc ça pas seulement venir porter un développement individuel, mais venir porter un développement à caractère social tout. Il venir faire zone moyen évoluer, il venir créer emploi tout pour l'autre monde qui dans zone là. Donc m'pa pral di parce que m'a vivre dans un pays situation financière là, li difficile, m'pa capable jeune prêt la banque, donc c'est tout un tralala pour me jeune prêt ou bien m'a vivre dans un pays parce que moi c'est un monde noir, m'pa mulâtre, donc m'pa gagne gros l'argent et pour me dire m'pa pas avancer. Mais non, ou capable non né dans une famille ou c'est 10e petite ou c'est 1e petite, mais de pour tout petit ou apprendre faire bon usage de ça qu'on gagne. Moi même songe le petit moun, m'toujours prêter maman m'cob. Dans qui façon prêter maman m'cob, le ou bam 5 goud moi pour mal l'école, m'déjà gagne boîte et puis ou bam 5 goud encore. Là m'rive l'école là, manger qui dans boîte moi. M'bien manger qui dans boîte moi et puis 5 goud moi toujours été là. Donc m'toujours gagne cob cap serré. Le dimanche m'toujours gagne cob pour m'acheter crème. Donc c'était façon pas moi-même pour me faire économie. Donc elle veut faire maman pas gagner, toujours jeune pour me prêter. Donc c'est tout un mécanisme de planification pour me capable avancer ou bien pour me capable développer tête moi même si m'a évolué dans un cercle qui plus ou moins précaire, qui plus ou moins sous-développé. Bien. Pour me faire genre de investissement ça yo ou bien pour me faire genre de pour m'utiliser genre de technique ça yo gagner quelques points pour me mettre en phase yo. Premièrement, Jacques me dit non, identifier les causes. Donc garder pour nous dans telle zone ça qui fait pas tel pas gain tel bagaille, qui cause qui fait pas gain tel bagaille qu'a fait. Deuxièmement, analyser les paramètres. Troisièmement, fixer des priorités. Quatrièmement, concentrer l'énergie. Donc tout ça qu'on gagne comme force, comme pensée, essayer de mettre en œuvre pour dire voilà par où je vais commencer, voilà comment je vais commencer. Ensuite, savoir investir parce que il y a des gens qui aiment faire business mais qui pas contre gérer business. Donc mon ça yo, yo fait des mauvais investissements parce que yo investit dans des bagages qui peut-être pas trop rentable ou bien que dans secteur que yo a, dans zone que yo a, pas gain besoin pour lui. Et en dernier lieu, nous wè limiter, comment pour nous limiter des dépenses. Je vais vous prendre un point pour nous. D'abord, pour me dépasser faiblesse, il un système économique qui est précaire. Moi, je dois d'abord identifier les causes, ensuite analyser les paramètres, ensuite fixer des priorités, concentrer l'énergie, savoir investir, contrôler l'investissement et en dernier lieu, limiter les dépenses. Gain des monde. Le lipote ko gen ti business lan, il te konn pran camionnette. Une fois que le business lan li senti trop grand, konnen ase taxi il prend. Pendant que li poko même atteindre objectif que le te visé, parce que peut-être il te commencé avec un petit boutique, objectif que le te visé, c'est pour faire un bazar, mais d'un coup, li gon seul folie ki pran,
il a envie d'aller vers l'extrême, il a envie de faire l'autre bagaille au lieu que de concentrer sur le rêve que l'idée gagne avant. Bien, chers amis, nous allons observer la dernière pause et après nous venir pour nous capables bah nous quelques j'aime te dire nous un mécanisme pour nous mettre en place pour nous capables structurer investissement nous vers un développement qui est plus ou moins capable de porter fruit malgré une situation économique ou bien une situation sociale qui est précaire ou bien qui pas offrir nous un moyen pour nous capables sortir tête nous. Là pour observer une pause et retourner après pour nous continuer. À tout à l'heure. Effectuons un regard dans le passé en se rendant compte de la disparité des valeurs morales et sociales haïtiennes depuis plusieurs années suite à l'observation de l'effritement des valeurs de la démarche démographique et des causes boiteuses des rivalités de la société haïtienne. Cela suscite forcément un besoin de communiquer et ça, c'est de l'impact. Impact, une émission socio-éducative. Impact pour éclairer la conscience sociale par des multiples constats, des causes et des faits socio-économiques afin d'interagir à l'encontre des mauvaises actions, sources de défaillance des valeurs sociales. Impact avec des rubriques différentes telles à la découverte. À qui ressemble-vous? Impact pour une société haïtienne consciente de ses valeurs. L'émission Impact, à travers sa rubrique « À qui ressemble-vous ?», vous présente Sozi Lakay. Sozi Lakay, un concours pour mettre en valeur des artistes de la musique haïtienne dont le but est l'orientation culturelle vers la diversité, l'extension des répertoires et la mise en place de la création musicale. Sozi Lakay, pour aider les jeunes à mettre en exergue leurs talents. Conditions d'éligibilité, n'ayant jamais participé à des séances de photos ou captations audiovisuelles d'images érotiques et pornographiques. Être un jeune cultivé et talentueux. Être de nationalité haïtienne, âgé de 16 à 24 ans. Être respectueux et ouvert à l'égard du public, etc. Critères de sélection, l'originalité, la faisabilité, l'audace. Soumettez votre candidature à la Storm TV, Delma 19, rue Patrice Lumumba, numéro 139. Date limite, 15 septembre 2017. Contact 32 33 33 12 47 10 40 15. Sozi Lakay, pour mettre en valeur les artistes haïtiens. Impact pour mieux comprendre la réalité haïtienne et ses effets sur la santé, la culture, l'éducation et la famille qui est une instance fondamentale particulièrement importante à l'évolution sociale. Impact pour se rendre compte de l'intensité maximale de nos mœurs. Impact pour aborder les sujets importants négligés. Pour une prise de conscience visant à réduire les nuisances sur notre société. Impact pour avoir la chance de voir les choses différemment, les critiquer et apporter des solutions certaines. Impact sur la Storm TV, branchez-vous toujours. Impact pour une société haïtienne consciente de ses valeurs. Bien, chers amis, nous sommes de retour pour continuer avec le thème comment s'orienter vers le développement face à un système social comme Haïti, très précaire. Nous avions parlé tout à l'heure de techniques ou bien critères d'investissement. Nous avions fait les remarques également du sous-développement. Maintenant, nous allons parler un petit peu de l'origine du développement et faire un petit briefing sur certains points à retenir pour mieux investir, pour ne pas gaspiller vos investissements, soit vos investissements intellectuels, soit vos ressources financières. Oui, comme je vous avais dit, parler de développement revient aussi à mettre en face sur la croissance. Donc, le concept de croissance correspond à l'aspect quantitatif et global d'une évolution économique sur le long terme, tandis que le développement désigne des transformations plus structurelles, qualitatives, affectant la démographie
l'économie et la population. Ça, comme tu as dit tout à l'heure. Donc, il y a des choses, je suis capable de dire, je vais évoluer dans une zone, moi, je pas gagner. Je vais évoluer dans un secteur, je ne vais pas gagner trop grand économie, je ne vais pas trop grand ressources. Mais le peu que je suis capable de faire un regard pour me dire, bon, face à telle situation, face avec ça que je suis capable comment m'a investir. Mais dans qui ça m'a investi? Ou capable de gagner des gens qui investissent eux-mêmes dans. On prend exemple de commerce énergie. Il y a des gens qui vendent batterie, il y a des gens qui vendent lampe de recharge. Donc ça va dépendre de zone m'habite. On par exemple si m'habite une zone côté qui gagne tente ou bien camp. Donc zone ça le plus souvent on a besoin éclairage. Donc si m'non zone comme ça, mon gonti économie, capable investir économie là, n'a besoin que moi identifier face avec zone avec secteur que m'a évolué là-dedans là. On capable tout quelquefois ou qu'on a évolué dans une zone et puis dans une zone que ou y a ou pas qu'à développer là-dedans comme on dit dans la Bible nul prophète n'est honoré en sa patrie donc ça qu'arrive que moi gain comme et puis dans une zone que m'y a pas qu'à évoluer et puis mal dans l'autre zone me font gros explosion économique qui s'allie zone côté que m'y a ça qu'arrive que les fins développer et que les gain tout ça que les gain comme besoin primaire yo. Donc, je vais aller dans l'autre zone pour que je connaisse plus besoin. Et quelquefois, chers amis, je vais vous dire que vous avez des petits commerces qui ont commencé, c'est garder dans 2-3 mois sans que ce soit un coup pour nous couper. Parce que les gens qui font le commerce là et puis d'un coup, les monter, c'est dans faire augmenter la cherté de la vie, dans faire transaction, côté que vous avez 27 gouttes, puisque vous allez dans une zone un petit peu plus loin et vous faites mon payer 20 gouttes. Donc là, ce n'est pas, dans le secteur ça, ce n'est pas avec le type de monde ça. Yo. Que m'a parlé avec monde qui plus ou moins gagne un investissement que au fait en étude avant ou bien par rapport avec zone et besoin que zone a gagné. Par exemple, moi aller en province, moi aller Jacmel. Donc le rivé Jacmel, c'est vrai que c'est une très belle ville, c'est une ville touristique, mais m'a quand même remarqué dans Jacmel, il y a des bagages qui manquaient comme besoin, comme m'a dit ressources. Donc moi même si m'ai gagné yo, m'font calcul pour moi en sortie pour au prince aller investir à Jacmel ou bien investir dans capital là combien de temps m'a prend pour me rentrer en bénéfice pour me gagner plus ou moins en économie par rapport avec dépenses moyen. M'aller moi font étude. Ensuite, moi j'aime te dire non, moi concentrer énergie que m'ai gagné pour me dire mais qui ça m'a fait, mais comment m'a fait, mais pas qui ça conseil. Et on conseil que m'a ba nous chers amis et spectateurs. Pas vendre idée à tout le monde. Donc, il y a des gens, tout ça, il y a comme idée, comme pensée, comme rêve, il raconte la monde. Donc, pas oublier, il y a des gens qui pas gagné même vision avant. Lorsqu'il y a un rêve ou lorsqu'il y a un projet à partager la veille, il faut descendre dans le bas. Nous sommes chez m'attendre au monde qui t'a partagé une idée comme ça. Il dit que, il y a parlé avec un confrère, lui, dans le travail, il dit que il t'a aimé faire une petite construction parce qu'il est dans le loyer. Zami a gagné plusieurs cailles lui-même. Qui ça le dit l'autre là, il dit l'autre là, mon cher. Qui va la construction sur parler argent matériaux cher de nos jours. On investit comme là n'a fait petite. On bouille comme là pour nous faire boire de l'eau. Nous connaissons les systèmes à caille nous. Donc monde ça, est-ce qu'on va le projet pour le raconter là encore du tout pas pour qui ça? Parce que il pas vraiment progresser, il gagne 2-3 cailles mais au même il pas ta vlo sorti dans loyer. Li pa ta vlo fon effort. Comme en Haïti de nos jours, moun pense l'orgon minimum ou cherchon 3 pour vivre, yo di que c'est l'argent gagné. Mais mes amis, c'est notre mentalité ça, son sous-développement mental lié, retire dans l'esprit nous. On moun ki gon côté pour dormir mes amis, son besoin primaire lié même avec manger et boire, oui. Parce que c'est normal pour moun nan gon côté gon 3 pour loger au moins pour capable d'y a réfléchir bien, la pas nous, il a grandi. Parce que yon moun ki nan loye k ap travay pour 10,000 goud le mois. Pi piti pou paye an kay de nos jours, c'est 25,000 goud. Ou gen 2 3 4 6 moun pou paye l'école. Entendons-nous, nan combien de temps moun sa pral fon économie? Il capable peut-être pas jam pose don kay nan ville. Kon sa tout, il capable avec le peu que il gagne, il font ti économie, l'investit son ti kob et puis après, il prend ti bénéfice en li font on ti kay. Jusqu'à ce que il y a avancé. Mais quand mes amis, c'est pas un luxe. Retirez ça dans la mentalité, non, parce que
sont sous développement liés. On ne peut pas seulement parler de développement sur le plan financier, on a parlé de développement tout dans mind. Parce que il y a des gens qui sont développés dans l'esprit, mais il y a des gens qui sont développés dans l'esprit. Ou après, il y a des gens qui ont un rêve, un projet. Ou juste dire-le et puis les doit avancer. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'investir avec eux, mais encouragement que le baou, façon que les appréhender et rêver, conseil que les baou les doit progresser. Donc, les gens sont capables plus ou moins faire confiance, sont capables plus ou moins référer avec lors d'un tel et tel type de d'investissement qu'on voulait faire. Mais pas avec tout le monde. C'est pour nous contrôler dans un métier, nous, quel type de monde que nous sommes capables de partager avec nous. Ensuite, on nous prend, pendant que moi parlé de psychologie, de mental, on nous fait tirer dans partie ça. La caille, nous, même dans la famille, nous voyons ça. Il y a des gens qui ont un rêve, qui ont un type de ligne que le bâtiment était, qui ont une façon que de canaliser la ville. Dans le cas où toujours dit, oh, mais mes grands femmes, vous avez toujours poussé, vous avez toujours ceci. Pendant que les gens, l'éthique que vous avez dit, c'est grand femme, ils prennent son énergie, ils kembel et puis ils utilisent vraiment à l'avenir. Ils viennent grand femme parmi toutes petites mamans et papas. Parce que ils ont un nid, ils ont un objectif, ils ont un rêve. Je ne peux pas dire parce que moi, j'ai levé dans la famille, parents ont 9, 10 petites et que je n'ai pas de chance pour faire une grande étude. Que m pa ka développer ou bien m pa ka développer zone que m'a vivre dans, c'est pas vrai du tout, c'est dans l'esprit nous lié, nous toujours penser que nous pas capable, donc son question de sous-estime ni et tout. On essayer lever caractère nous, on essayer bay tête nous valeur, on essayer faire tête nous crédit, faire tête nous confiance pour nous dire bon, on capable faire ça, m'a fait ça. Martin Luther King a un rêve, il a lutté toute sa vie. Gombara il te dit il faut que on noir dirige l'Amérique et ça que il te dit a c'est vrai que il va vivre même Jossman l'a content parce que il te gain rêve fuck même si discrimination pas qu'au fini mais quand même rêve c'était pour on noir diriger le monde et cela a été fait point barre. Donc il te gain rêve il croit dans rêve là lutter avec le passé gain tout tant d'autres exemples que nous gain devant nous tout. Il y a des barrages que on go des balises que peut-être société ou bien un groupe de monde qui a metté pour ou, et pour même on dit faut moi passer et en dépit de tout ou lutter ou dépasser le sous-développement ou avancer vers l'avant ou progresser. Donc c'est pas une question de il faut avoir beaucoup d'argent, il faut être né dans tel type de famille, non, c'est juste une question de méthode, c'est juste une question de bonne planification. Donc moi besoin tel bagage, m'a pas avancé de telle façon. J'ai tel rêve, m'a accommodé ma rêve moyen hein, pour me faire rêver en tournant en réalité. Donc en peu de mots chers amis, j'espère que moi pas de venir avec des thèmes scientifiques pour nous, mais quand même moi de venir avec des simples mots et des conseils qui étaient capables aider nous évoluer et de nous développer dans un climat social qui précaire. Malgré tout que nous sortis des mondes qui épanouis et des mondes qui développés. Avant que nous fermions l'émission aujourd'hui, hein, m'a rappelé donc que concours de sosie a continué bien que nous t'ayons gagné une date limite. On a dit c'est le 15, n'a clôturé inscription yo. Compte tenu de demande et nouvelles tout précarité qui t'ayons gagné avec rentrée scolaire et planification qui t'ayons gagné tout précarité qui t'ayons gagné avec question de intempérie, question de ouragan qui t'ayons pour passer tout ça, mais donc jamais ton déséquilibre. Donc nous à continuer inscription yo pour toutes jeunes, pour tout le monde qui veut inscrire dans concours de sosie la caille que émission Impact gagne en perspective. Donc nous capable toujours aller pour nous pour plus information, nous capable toujours passer tout dans et télévision pour nous capable inscrire, pas oublier frais d'inscription c'est 1000 gold. Donc c'est un faible de cotisation que nous demander. Juste pour capable permettre nous faire des sorties, capable permettre nous faire des shootings, parce que c'est pas seulement chanter, n'a pas venir chanter, c'est un concours, donc un concours reste un concours, il y a des coûts, il y a des planifications, il y a quand même de l'énergie à dépenser. Donc le simple fait que vous demandez nous 1000 gouttes, c'est pas qu'on son fortune que nous avons besoin, mais c'est juste un frais de participation pour nous capable et répondre avec certaines exigences pour inscription.
ça que nous avons besoin, premièrement, il faut que nous ayons entre 16 ans et 24 ans, nous capables d'interpréter un artiste et une ressemblance artiste que nous voulons interpréter. C'est pour ça que nous relève sosie. Nous disons sosie la caille parce que nous avons interprété des artistes haïtiens. Nous n'avons pas interprété Céline Dion, nous n'avons pas interprété Whitney Houston, mais nous avons interprété Andy Young, par exemple, si je peux permettre le droit de citer Rachel, Guillaume, nous capables de dire nous interprété Tite Joseni, ok, au lieu que nous allons interpréter Michael Jackson. Pour point de contact, nous sommes capables de relever dans 32 18 79 30 ou bien dans 47 10 40 15 pour nous capables de gagner plus d'informations. Les frais d'inscription sont fixés à 1000 gourdes. Il faut avoir entre 16 et 24 ans. Et puis, comme charisme ou bien comme capacité, il faut qu'on ait un niveau un minimum intellectuel et il faut qu'on ait une ressemblance ou bien capacité pour interpréter la musique monde que on dit que on a représenté comme sosie. Donc chers amis, c'était le tout qu'on a à cette émission pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour avec un autre thème plus intéressant comme toujours et avec d'autres invités. Je vous dis merci et à la prochaine. Impact pour mieux comprendre la réalité haïtienne et ses effets sur la santé, la culture, l'éducation et la famille qui est une instance fondamentale particulièrement importante à l'évolution sociale. Impact pour se rendre compte de l'intensité maximale de nos mœurs. Impact pour aborder les sujets importants négligés. Pour une prise de conscience visant à réduire les nuisances sur notre société. Impact pour avoir la chance de voir les choses différemment, les critiquer et apporter des solutions certaines. Impact sur la Storm TV, branchez-vous toujours. Impact pour une société haïtienne consciente de ses valeurs.